Je m'appelle Gloria. Je suis une petite fille et toujours souriante. Avec moi la journée est top dès le début. Si tout va mal pour toi, si tu n'as plus d'espoir, t'inquiète pas, viens me voir et on va s'éclater. Mec 2. Laura, tu veux donner une cuillère à l'homme? Je vais lui attends. Viens avec la cuillère. Mec, tu es arrivé. Comme elle est bonne chose. Mmh. Non, t'as rien de plus là pour ça. Génial. Ma chérie, tu es dommage. Oh chérie, ça va, ça va. Ça s'est très bien passé. J'ai le même mari du monde. Eh, je suis là pour me confier la porte là. Voilà. Ah, mais là, on est là. Ah, mais là. C'est pas cool. Mon père. T'as tout combien? Allez, je te fais l'appétit. À touche. Toi aussi, chérie. Ouais. Est-ce que t'as promis la porte que tu devais goûter? Là, oui, il a besoin de se fâcher. Mec, deux. Avec tous ces morceaux, est-ce que tu vas pouvoir les finir? Attends, donc tu veux que je vienne faire de la piscine? C'est ce que tu veux? Oui. Ok, c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Chérie, toi et ton enfant, là, vous exagérez quand même déjà. Ouais, laisse-le manger. Maman, même un morceau. Je te dis, un morceau de quoi? Un morceau de poulet, non. Un morceau de poulet, non, c'est pas pour boire. Ce que tu manges, tu vas le manger. C'est Julien qui mange. Non. Tu es en train de manger, non? C'est Julien qui mange. Hé, hey, maman. Chapeau. Bon appétit, maman. Merci, ma bébé. Ma chérie, laisse. Maman, laisse. Pourquoi tu as changé comme ça? Avant, tu n'étais pas comme ça. C'est tous les bébés là comme ça. Ta bébé. Mon bébé, laisse. Tu as compris. En fait, toi-même, quand tu étais dans son ventre, tu faisais la même chose. D'accord? Faut pas en vouloir à ta mère, d'accord? Maman, donc tu mélanges la viande, l'ananas, la papaye et le yaourt. Je vais parler à deux voix la bouffon. Chérie, je t'ai demandé tout à l'heure si ça allait ou pas. Le yaourt, c'est un peu trop sucré. T'as un petit peu de... C'est trop sucré. Il y avait la bouffe, il y avait un truc qui est pas amer. Ma papa, c'est un peu plus. Ma fille, regarde dans le frigo s'il y a encore une bouffe au moment. Il faut dire à Moussa ce qui fait un peu bien son piment. Elle ne pique même pas. Tiens ta bouffe. Mais tu veux que ça casse mes dents? Voilà. Mec 2. Aïe. Mais ça... Qu'est-ce qu'il y a? Mais mon ventre me fait jaillir.
Attends. Attends, le bébé est déjà sorti. Ah, c'est comme s'il est sorti. Gloire, va dans la chambre, tu prends le sang de maman, tu viens. Hein? Rapide, oui. Rapide. Chérie, ça va? Doucement, doucement. Oui. Ça fait comment? Ça fait comment? Attends. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Oui, 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 doucement, oui. Doucement, doucement. Gloria, dépêche-toi. Oui, c'est bon, on va à l'hôpital, on va à l'hôpital, hein? Il est sort. Ça va? À cause de toi, c'est toi, hein, c'est toi. Attends, viens, viens, viens. Gloria! Appuie-toi sur moi, appuie-toi. Abandonne mon sac, abandonne mon sac. Poco, Poco. 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 Appuie-toi sur moi. Rassurez-vous que cette femme soit toujours cajolée. Vous savez, quand les femmes sont dans cet état, elles sont trop fragiles, trop sensibles. Il est à votre devoir de vous rassurer qu'elles soient toujours bien, à l'aise. Docteur, vous êtes sûr que le bébé se porte bien? Il va guérir. Bien, bien, bien. Le bébé se porte très bien. Et bientôt, tu vas voir ton bébé. Ah, grandi. Voilà. Docteur, s'il vous plaît, je peux avoir l'ordonnance? Si, 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 si. Ça va, chérie? Donne-moi juste une minute. D'accord, d'accord. Maman, je me vois bien. Bientôt, on va le visiter. Vous aussi dormez, mais... Il dort. Ça va, chérie? Ok. Excusez-moi. Ok, voilà votre ordonnance. Vous allez juste payer rapidement ceci, l'examen gynécologique qu'on doit lui faire. Et si, si, si. Ça se passe très bien. Madame, ça va aller, hein? Quand tu mettais 5,625. Isabelle, je veux prendre tout cet argent où? Tu es un homme. Va te débrouiller, s'il te plaît. Débrouille-toi. Oh, mais c'est beaucoup. Et tu te fâches à moi, comment? C'est moi qui ai presque ça. Va te fâcher au bébé, c'est. Écoute, si tu as un peu d'argent là-dessus, tu me prêtes ça, je fais la partie et puis demain je te remets. Un peu d'argent que j'ai pris pour. Idriss. Hey, Idriss. Elle n'a pas de mari qu'il avait choisi. Tu me demandes l'argent que tu me rassures d'abord combien? Sur la raison que tu me donnes, quelqu'un pourrait économiser 5 francs dedans. C'est pas 1000 francs, c'est 2000. C'est pas 1000 francs, c'est 2000. Avec le marché qui est devenu cher de nos jours-là. Pardon, ne m'énerve même pas. Ne m'énerve pas. Le docteur a dit tout à l'heure que je devrais plus me fâcher. Tu vas aller recommencer. Tu vas aller recommencer, oh. Il dit, je te vois. Il dit, je sais comment je vais passer mon temps.
Et je demande un peu de toi, si tu as un peu d'argent gardé là, tu... Attends, tu parles de ce que tu m'as dit, j'avais l'argent. C'est quelle histoire ça m'a dit? Mes copines que j'ai grandi avec nous sont souvent entre Dubaï, États-Unis, passés par là. Nous voici. Nous voici. Au moins, au même bout du départ. Nous voici. Pardon. Mais on est quelque part. Quand on le regarde là-bas, il veut me sortir maintenant. Ça va. Va chercher là-bas, tu viens avec elle. Ça va. Va chercher là-bas, tu viens avec. Prête-moi l'argent. Tu m'as donné ça. Viens. Et pourquoi dormir ici là? Il fait même une semaine ici là. Et il veut s'il te plaît en rentrant. Ne veux pas de m'acheter le biscuit, j'ai envie de grignoter quelque chose. Comment tu vas grignoter là? Elle peut pimenter avec un biscuit fourré. N'oublie pas. Je n'ai pas l'argent. Moi là, je vais me garder ici. Je peux faire quand même un mois. Un an même. Je veux que tu aies un biscuit de poche. Je ne veux pas donner ça. La bête, si tu as l'argent, tu me donnerais un bonnet après. Toi. Tu vois ma fille, j'aime beaucoup ta maman. C'est vrai que je suis pauvre, mais je fais tout et tout pour qu'elle se sente à l'aise, toi également. Regarde, elle est couchée à l'hôpital, j'ai pas d'argent, je sais pas comment est-ce que je ferai pour qu'elle sorte de là. C'est ça qui fait, je réfléchis, ma tête tourne, je sais pas où trouver cet argent en ce moment. Ah. Papa, est-ce que tu peux prendre la chose de ma main et refuser de le remettre? Chérie, je peux pas faire ça. J'aime ta maman, je peux pas lui faire une chose pareille. Ok. Il faut que je vérifie. Maman, t'as ta fille, t'as déjà donné ton argent de ton petit. Il faut que je vérifie si c'est complet. Voilà. C'est complet. Tu vas dans la chambre, il y a souvent des CRA qui n'ont pas de nom. Regarde l'argent si je vais réaliser les projets avec. Les quoi? Les projets. Ah oui. Ok, mets ça en bas du tapis là. Mmh. J'arrive derrière. Papa, dis-moi ça sérieusement. Est-ce que tu peux prendre l'argent de maman et refuser de lui remettre? Gloria, je t'ai dit non. Ok, papa, viens, vais te montrer un truc. Hein? Viens, vais te montrer un de ma tontine. Tu comprends un peu? C'était l'agent de la réunion et la présidente risque de venir demain prendre ça. Qu'est-ce que je dis même? Elle va venir demain prendre ça. Je ne veux même pas le problème avec toi. Alors donne mon argent. Idriss! Attends. Ok, c'est moi qui ai pris mon argent. Quoi? Idriss? Hey, non, c'est pas vrai.
je gardais mon argent. Pourquoi t'as montré ça à ton père, Gloria? Il peut te faire confiance. Il peut te faire confiance. Oh, laisse l'enfant. Oh, c'est comment? Gloria, il peut pas te faire confiance. Tu as déjà ton père que j'ai l'argent dedans, n'est-ce pas? Non, je te rappelle mon histoire qui voulait cet enfant. Moi, je t'avais dit au départ que Gloria, elle me suffit déjà. Toi, que non, comme j'ai mis Gloria sur ma mère, mais que ça, il faut aussi qu'on fasse un homme pour que tu me tues un garçon, que tu me mettes sur ton père. Oui! Donc, tu es aussi responsable de tout ça. Ok, c'est ce que tu dis maintenant, mais. Maman, t'as brûlé mon argent! Maman! On m'a cambriolé. On a fait ça pour voler, on a fait ça pour t'aider. Mais il fallait me laisser en hôpital, j'avais même fait une semaine là-bas, même un mois, pour que c'est lui qui paye. Ah, ok. Maman, pourquoi tu veux que tu veux. Papa ne voulait pas que tu restes à l'hôpital là-bas. Mais c'est mon argent. Papa, tu as pris ton argent pour payer alors. C'est mon argent qui va pour payer là-bas, tu travailles avec Taïou. Idriss, dis-lui que je vais lui remettre. Tu vas te remettre ton argent. Il va te remettre 96 625. Pourquoi? On a dépensé l'argent pour t'acheter un biscuit. Regarde. De toutes les façons, Idriss, c'est ce que tu dis maintenant. Mais... Ok. Ok. Maman, mange au moins, non. Gloria, mange. Tu n'as pas le biscuit. Tu te rends avec ça. Remets-toi mon achat. Ah. Parce qu'on a acheté avec l'argent, tu ne manges pas. Oui, mange pas ça. Pourquoi? Pourquoi tu me gardes avec. Tu m'achètes les trucs avec mon achat, pourquoi? Il ne veut pas. Maman, tu ne veux plus. Je ne veux plus. Remets-toi mes 100 000. Je veux mes 100 000. Tu as demandé de remettre mes 100 000. Maman, il a remis tes 100 000. Oui, demande à papa de remettre mes 100 000. Papa, tu vas lui remettre tes 100 000. Non, je veux le remettre. Je veux te remettre tes 100 000. Voilà, il va te remettre tes 100 000. Ok. Tu me remets ça demain, n'est-ce pas? Demain ou non? Ouais. Maman, merci pour le biscuit. Oh, comment il est passé? Mais maman. Merde. Le bébé a été dérangé, mais aujourd'hui. En plus, il mangeait tout. Mais aujourd'hui, il est moins passé à niveau de l'année. Maman, tu as santé, c'est ce qui est encore plus important. Le bébé a bien mangé ce qu'il voulait. Bébé, il a bien, il a mangé ce qu'il voulait. Après, il a laissé pour nous, il a pensé à nous. Vous deux. Aïe, maman. Hey, papa va se régaler, hein, va se bien manger. Ah oui. Vos parents.